L'industrie du livre, le cœur de la scène culturelle. Tel est le thème du 5e congrès de l'Union des éditeurs du Maroc tenu vendredi et samedi à Tanger. Son objectif, encourager la lecture, soutenir le livre culturel créatif et contribuer à transformer le Maroc en un centre culturel. Et les éditeurs marocains sont le moteur principal de ce changement. Le milieu de l'édition est en souffrance, et surtout le livre marocain. Et donc l'Union des éditeurs du Maroc ont cette responsabilité, à côté d'autres associations évidemment, mais ils ont cette responsabilité d'avancer avec le livre, de développer la lecture. Et pour développer le livre, l'Union des éditeurs du Maroc prévoit de lancer une campagne de sensibilisation afin d'encourager la lecture à la maison, à l'école et dans les espaces publics. Le défi est de s'adapter aux évolutions numériques pour faciliter l'accès aux livres. La pandémie a accéléré la numérisation du livre. C'est le défi actuel et futur pour les éditeurs. La communication se digitalise aujourd'hui. Le challenge pour les éditeurs, c'est de s'adapter à cette révolution numérique pour redonner au livre sa place en tant qu'outil essentiel. Un outil éducatif, intellectuel et créatif indispensable dans la vie de tout individu. L'Union des éditeurs du Maroc a été créée en 2014, en marge du 20e Salon international du livre et de l'édition. Depuis 7 ans, elle œuvre au développement de la profession et à la défense des intérêts des éditeurs.